Et donc, j'ai été à Nyx la dernière fois. Pourquoi j'ai été à Nyx? Bah pour les palettes que je fais gagner en concours d'ailleurs. Donc je fais un concours, si vous n'étiez pas au courant, vous l'êtes. La vidéo du concours c'est ici et ça se passe sur Instagram. Je vous mets mon Instagram dans l'outro à la fin. Et donc j'ai été à Nyx et j'ai vu un truc, j'ai fait... Parce que j'ai vu les palettes et juste à côté il y avait une base. Et moi je mets toujours la même base de chez Nyx, vous la connaissez très bien, la Grasse. Et... J'ai vu une base, alors j'ai vu cette base là. Et le packaging il m'a trop intéressée, il y a les petites bulles là. Et je me suis dit, oh c'est un truc waterproof. Et du coup j'ai vu qu'il y avait toute une gamme avec les petites bulles comme ça. Et en fait cette gamme de chez NYX s'appelle Proofit, comme indiqué sur les petites bandes noires. Et en fait cette gamme c'est une gamme de base, donc pour les paupières, pour le mascara, pour les sourcils. Ce sont des bases hydrofuges. Alors qu'est-ce que c'est une base hydrofuge? C'est une base où quand vous le mettez, tout ce que vous allez mettre par-dessus, ça va devenir waterproof et ça va pas bouger du tout. C'est totalement dingue. Pourquoi on ne m'a pas prévenu avant? Les gars, pourquoi on nous a pas prévenu avant? Je sais pas, ça fait combien de temps que c'est sorti. Je vais essayer de regarder sur internet, je vous le mettrai sinon dans la barre d'infos. Je sais pas, ça fait combien de temps que c'est sorti ce genre de choses hydrofuges. Je connaissais même pas le mot. J'ai vu ça, j'ai fait, par contre si ça marche... C'est une révolution pour cet été. Donc du coup j'ai acheté les trois, j'ai fait tout le tour du magasin, je crois que c'est les trois seuls qui proposaient, je voulais acheter. Je me suis dit il va y avoir pour tout, pour le teint et tout. Et en fait non, il y avait vraiment que pour trois choses. Donc il y a pour le mascara, donc c'est un top coat, vous pouvez mettre n'importe, c'est ça surtout que j'ai demandé, est-ce qu'on peut mettre n'importe quel produit qui n'est pas waterproof en dessous, est-ce que ça va marcher? Ils m'ont dit oui, du coup là je vais prendre des produits qui ne sont absolument pas waterproof. Et d'ailleurs j'ai l'habitude qu'ils partent trop vite ces produits. Il y a aussi une base pour fard à paupières, donc là vous la mettez donc au niveau des paupières, vous mettez n'importe quel fard à paupières par dessus, vous pourrez faire ça sous l'eau, ça ne va pas partir. Attention, c'est ce qu'ils promettent, j'ai pas encore testé, hein, mais c'est ce qu'ils promettent. Et la dernière base, je pense que c'est celle qui... C'est trois packagings différents, je sais pas si c'est sorti en même temps du coup, j'en sais rien. Et là, c'est la base pour les sourcils. Donc vous mettez sur vos sourcils avant, vous refaites vos sourcils, que ce soit crayon, n'importe quoi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous montre comment on refait ses sourcils avec n'importe quelle façon, ce sera juste ici. Donc avec n'importe quelle façon, vous mettez la base avant et ça ne va pas partir du tout. Ça par contre, je trouve ça fou parce que moi... Je trouve que sur mon visage, en tout cas, le plus important, c'est vraiment les sourcils. Si j'avais une seule chose à choisir sur mon visage, un maquillage à faire, ce serait vraiment les sourcils. Vraiment. Du coup, c'est fou. Imaginez, vous mettez cette base, vous mettez, donc vous faites vos sourcils, et jusqu'au soir, peu importe ce que vous faites, la mer, le sport, peu importe, vous avez toujours vos sourcils on fleek. C'est fou. C'est fou, j'ai trouvé ça totalement fou et j'avais trop hâte de le tester parce que si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment ce qu'ils proposent, c'est dingue. J'ai quand même pas commencé à make-up, je suis déjà sale, en plus je suis tout en noir. Du coup ce qui va se passer aujourd'hui c'est que ce matin il est 9h47, je suis un peu en retard, je dois partir au travail dans 1h30, 2h, on va dire 2h. Ça va, j'ai le temps, pour une fois je suis pas en retard. Je dis ça et à la fin de la vidéo je dirais putain je suis trop en retard. Donc je vais me maquiller devant vous avec du coup le maximum, bah, toutes les bases que j'ai là, le top coat du mascara aussi. Je vais me maquiller totalement simplement. Le teint, je vais essayer de mettre une encre à teint. On va essayer de faire en sorte que notre make-up complet tienne toute la journée. Et j'ai reçu une petite encre à teint de chez Yves Saint Laurent. Ensuite je vais aller travailler, donc je fais une journée de 7h et quelques je crois aujourd'hui. Enfin bref, je commence à midi et je finis à 19h45. Donc je vais faire ma journée complète, ensuite je vais aller au sport, donc c'est juste sur le chemin, donc j'aurai pas le temps de vous refilmer avec cette caméra là. Donc je filmerai avec mon iPhone ou alors avec ma caméra vlog. Et du coup je vous ferai du coup un topo après le travail, et du coup je vous ferai du coup un topo après le travail. Et on verra déjà si au travail ça a bien, c'est bien resté. Au travail on a une clim quand même vachement petite, on court un peu partout, surtout en ce moment c'est les soldes. Donc je sais que je transpire au travail. Donc je sais que si j'ai pas un bon make-up ça se déplace surtout le nez. Tous les soirs je rentre et au nez ça s'est déplacé. Oh j'ai des points noirs, je les sens au toucher. Voilà, et ensuite après le sport il y aura l'épreuve de la douche. On va tester le produit de 0 à 100% vraiment pour savoir ce qu'il vaut
jusqu'au bout. On va le faire pousser à bout, ce putain de produit. Et voilà! Bon, du coup, le teint est fait. J'aurai des petites taches blanches ici que vous verrez peut-être pas à la caméra, je sais pas. C'est normal, c'est mon baking, c'est le temps qu'il se fasse bien à ma peau. Donc j'aurai des petites taches blanches pendant 5 minutes. Donc je vais commencer par les sourcils. Voilà, donc ça va être cette base-là. C'est la Profit Waterproof Eyebrow Primer. C'est la Profit Base Hydrofuge. Hydrofuge. Eh, j'ai du mal, hein. Franchement, ce genre de choses. Base Hydrofuge pour sourcils. En gros, mettre le produit, attendre que ce soit sec et mettre son truc pour les sourcils par-dessus. Domptez vos sourcils et rendez-les hydrofuge appliqués à vos sourcils avant de créer une forme avec la poudre A. Vos sourcils sont désormais hydrofuge et bien stylisés. Empêchez vos sourcils de couler. Empêchez vos sourcils de couler. Quand vous êtes à la plage, la piscine ou qu'il fait chaud et humide. Formule spécifique conçue pour les sourcils clairsemés. C'est quoi clairsemés ? C'est genre on a des trous dedans. Ok, j'ai des sourcils clairsemés. Donc voilà, on va l'ouvrir. Ah, c'est marqué sans couleur et c'est marron. Enfin, c'est marron. Ça va, mais je pensais que ça allait être totalement transparent. J'espère qu'il est pas pourri. Ah non, sur le papier, il a l'air un peu marron aussi. Bon bah écoutez, on va voir. Donc c'est parti, je vais... Ah oui, attendez, parce que je vais d'abord brosser mes sourcils. Donc je vais d'abord brosser mes sourcils parce qu'il y a de la poudre qui s'est mise dessus et je veux pas fausser le résultat. J'espère vraiment que vous entendez pas les travaux quand je parle. J'ai essayé de faire des cuts de quand je parle et quand je parle pas pour enlever tout ce que je parle pas, pour pas que vous entendiez dehors. Mais c'est vraiment chiant. J'espère que vous entendez pas au-dessus de ma voix. Donc j'ai débrossé et là, c'est parti, on va mettre la base. C'est hyper gras et hyper... C'est bizarre. C'est hyper épais. Et du coup, en fait, ça plaque vos sourcils. Donc ça fait le taf d'un mascara à sourcils que vous mettez normalement après la couleur. Sauf que là, ça le met avant. Donc vous auriez pas besoin de mettre un mascara après. Et au final, oui, c'est transparent. Hein. Donc je vais attendre que ça sèche, je sais pas combien de temps je vais attendre 2 minutes et puis je toucherai. Je sais pas en combien de temps ça sèche. Bon,
Bah, je sais pas si c'est sec. Ça a l'air d'être sec là, hein. Et en fait, ça a carrément plaqué mes sourcils. Et quand je fais ça. Et bah, je le sens. Enfin, je le sens, mais genre comme si j'avais mis mon mascara à sourcils en fait. C'est bien plaqué. Et je pense qu'ils vont plus bouger, les gars. Donc, pour faire les sourcils avec du fard à paupières, on prend un pinceau biseauté comme ça. Donc, c'est un pinceau où il y a un bout qui est plus petit que l'autre bout. Vous voyez ce que je veux dire? Biseauté, quoi. Voilà. Donc, je prends la teinte qui est ici. J'en prends un petit peu. Il est un peu chaud, mais ça va, ça se voit pas trop. En fait, j'ai du mal à me dire que ça va pas partir. Je sais pas, mais. En tout cas, ça accroche vraiment bien. Du coup, c'est vraiment une bonne base pour les sourcils. Je sais que quand je refais mes sourcils au fard, je mets jamais de base en dessous. Et c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand vous n'avez pas de marron bien pigmenté. Voilà, mes sourcils sont faits. Donc vous avez vu avant ce que ça donnait, j'avais des petits trous, enfin des gros trous même dans les sourcils. Ils n'étaient pas totalement bien remplis. Et là, ils sont totalement bien remplis. On passe aux paupières. Donc hop, c'est parti pour la base à paupières. Donc c'est la base Hydrofuge pour paupières. Pour une ombre à paupières, Hydrofuge appliquée sur vos paupières, comme n'importe quelle base pour ombre à paupières. Et voilà. Tout maquillage appliqué par-dessus est désormais Hydrofuge. Empêchez votre maquillage de couler quand vous êtes à la plage. Nan, nan, nan. Ah, que vous lézardez à la piscine ou que vous faites chaud et humide. Tu vas te calmer, je lézarde pas à la piscine, mon gars. Je pense que ça va être à peu près la même chose. Voilà, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Même pareil, c'est 7 ml, tout est pareil. Sauf que c'est marqué Eyeshadow Primer. Donc la même couleur, c'est un petit peu plus rosé. J'en mets bien partout. Donc là, normalement, c'est Hydrofuge, mais c'est censé être la meilleure base du monde parce que c'est censé faire tenir votre maquillage, peu importe les circonstances, toute la journée. Donc là, les gars, qu'on veuille quelque chose de waterproof, qu'on aille à l'eau ou pas, dans tous les cas, c'est censé être une très bonne base. Les gars, je me suis décalée un peu là parce que. En fait, je filme devant ma fenêtre et j'ai des voisins en face. Et il y a une meuf en face qui est en train de me filmer. Genre, du coup, je me suis décalée. Vous voyez un petit peu de mon mur là, mais c'est pas grave. Et c'est chelou. Donc j'espère que la luminosité ça va aller. Mais elle est encore à la fenêtre. Elle me rend grave mal à l'aise. Elle est là avec son appareil. Enfin, elle est là avec son téléphone. Et elle filme comme ça. Mais pourquoi tu fais ça en fait? C'est mon intimité. Laisse-moi tranquille. Bref, j'attends que la base sèche. Mais la meuf, je vais la tarter, hein. Je sais pas qui c'est. Je connais pas mes voisins. Je suis hyper. Je suis pas du tout sociable. Je voulais grave faire. Tu sais, la meuf, quand elle arrive, elle emporte des cookies aux voisins et tout. Comme dans Desperate Housewives. Mais en fait, non, je suis pas du tout comme ça. Mes voisins, ils me saoulent plus qu'autre chose. Donc voilà, la base, elle est sèche. Et pareil, en fait, je ressens le même ressenti que sur les sourcils. Je sens que c'est fixé, quoi. Je sens que là, ça va pas criser. Et ça, c'est cool. Bon, c'est parti, on se dépêche. Je sais même pas ce que je vais faire comme make-up. Je vais prendre ma palette NYX parce que je sais pas du tout ce que je vais faire. Et c'est tout le temps la palette que je prends quand je sais pas ce que je sais faire. D'ailleurs, elle est hyper crade. Enfin, elle est pas crade, mais genre elle est pleine de rayures. Tellement je l'utilise. Elle est vraiment. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai utilisé toutes les teintes de fond en comblant. Et c'est parti! Donc là, on a le vert kaki clair. On a le vert kaki foncé paillette. Donc je vais utiliser celui-là dans le creux de paupière. Celui-là ici. Et je vais essayer de trouver une autre couleur qui pourrait aller bien, peut-être le doré, pour aller dans le merde, dans le coin interne de l'œil. Putain, j'ai du mal. Ouais, les gars, c'est pas mal ça. Ça accroche bien, ça fait bien ressortir le fard de sa bonne couleur. Voilà, donc là j'ai mis de la couleur dans le creux de paupière, j'ai remonté et mon pinceau il est un petit peu trop dur pour estomper. Du coup, je vais essayer d'en prendre un autre. C'est à force de les laver, laver, laver.
Franchement, ça accroche bien, ça se travaille bien. Voilà quoi, ça fait pas de chute. Franchement, pour l'instant, j'ai pas de chute sous l'œil. Pour l'instant, rien à dire. C'est hyper sec par contre, donc. C'est hyper sec, mais en même temps, ça applique bien la matière et ça donne bien la bonne couleur. Je vais prendre ensuite un pinceau. Il est sale. Il est sale, mais ça va. Pas trop de matière qui s'enlève. Et je vais prendre du coup le kaki foncé là, avec les paillettes, pour mettre juste ici. Je vais redessiner un peu ici et je vais faire un triangle. Je redessine un peu. Souvent, on me dit comment tu fais pour faire un trait précis là? Je sais pas, je fais un trait droit et voilà. Et ça fait un trait précis. On va passer au coin interne. Donc j'essuie un petit peu mon pinceau. Alors au coin interne, qu'est-ce que je vais mettre? Là, je sais pas trop trop. Donc je pense que je vais mettre ce petit. Je sais pas ce que c'est un champagne un peu? Enfin, non, c'est plutôt un gris très clair. Et je vais la mettre haut. Donc je suis en fait la forme. Donc à mon coin interne. Je dépasse pas. Hein. Je suis la forme. Donc là généralement quand je fais ça, je fais un cut crease. Donc j'avais déjà vu le faire plusieurs fois hein, dans mes vidéos. Mais là je peux pas avec la base et franchement ça rend pas mal. Hein. Voilà, donc le temps de mettre mon appareil photo au congèle pour la troisième fois aujourd'hui. J'ai eu le temps de faire mon deuxième œil, donc j'ai fait la même chose, hein. J'ai repris la même couleur que j'ai mis ici. Et j'ai dégradé un peu entre les deux. Du coup, ça rend super joli. Moi, j'aime trop, 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 trop. Je sais pas, en fait, j'ai pas forcément envie de mettre quelque. Enfin, normalement, je descends mon fard ici encore et je fais mon ras de cils inférieur. Là, je vais juste mettre du crayon. Donc j'ai acheté des petits crayons chez Sephora. Donc c'est des petits crayons que j'ai acheté chez Sephora, comme ça. Donc j'en ai acheté 5, comme ça, donc de couleur. Ils sont trop beaux et en fait je voulais acheter des crayons un peu comme les Marc Jacobs, qui ressortent vraiment flashy et bien, même peut-être même fluo quoi. Et j'ai trouvé ceux-là. Alors ils sont à 11 euros à la base, c'était à moins 70% chez Sephora pour les soldes. Je les ai tous pris, j'ai pris tous les. Donc ils étaient à 2 euros et quelques. J'ai pris toutes les couleurs que j'ai pu trouver, donc vert, violet, bleu foncé, rose et bleu clair. Donc là, j'aime bien mélanger les couleurs d'habitude, mais là je vais mettre le vert. Je vais mettre le vert en muqueuse inférieure. Donc voilà, si jamais vous cherchez des crayons qui sont bien gras, qui s'appliquent bien, qui tiennent toute la journée, qui font un rendu mat super, je fais mes liners maintenant avec ça et ils sont vraiment bien à appliquer. Et ils coûtent pas si cher que ça du coup, en tout cas en ce moment chez Sephora, même 11 euros ça va encore. Et ben voilà, je crois qu'on a fini pour le make-up des yeux. Donc la base, aucun souci. Pour l'instant là, les deux c'est nickel, hein. C'est 100% approuvé. Au moment où je mets le make-up, donc on verra ce soir. Mais pour l'instant, je trouve que ça s'est super bien appliqué. J'ai eu aucun souci, tout s'est très bien passé, donc nickel. Donc on va passer au mascara maintenant. Donc c'est ce petit packaging-là, couche de finition hydrofuge pour le mascara hydrofuge. Putain, j'ai du mal à le dire. Il suffit d'ajouter cette couche de finition par-dessus votre mascara favori et le tour est joué. Vos cils seront impeccables toute la soirée et même la nuit durant. Ça, par contre, ça me fait peur parce que toute la soirée et la nuit. D'accord, mais la piscine, la plage, tout ça, tu sais pas. Donc, je vais utiliser mon mascara. Il est en fin de vie, il n'y a presque plus rien dedans. C'est le Golden Rose Wonder Lash 12 fois volume et Lash Fit. Vous l'avez déjà vu plein de fois, même sur Snap, j'arrête pas d'en parler. Qui est très bien, mais bon, qui n'est pas waterproof. Voilà. Voilà, bon, j'ai voulu faire la meuf et mettre mon miroir loin et me maquiller comme ça, mais du coup, je m'en suis foutue partout là. Donc, c'est pas grave, on va attendre que ça sèche. Et j'enlèverai après avec un truc, un goupillon. Putain, le mascara, ça change tout quand même sur un make-up. Hein. Vraiment. Voilà, bon, c'est sec, on passe à la dernière étape avant que ma caméra s'éteigne. J'ai du mal à en mettre vraiment partout. Voilà, bon, écoutez, j'en ai appliqué partout. Vraiment partout. C'est spécial parce qu'on voit pas du tout ce qu'on applique en fait. On voit vraiment pas ce qu'on applique. Donc on ne sait pas si on a mis beaucoup ou pas. J'ai l'impression d'avoir mis beaucoup, surtout que ça me fait des paquets. Et en même temps, j'ai l'impression que ça m'a. Je sais pas, que ça a eu un effet, genre ça m'a rétréci les cils.
En fait, je sais pas, sur la petite brosse, il y a des petits résidus noirs qui se sont déposés. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ma longueur, enfin, c'est la longueur que m'a donné le mascara qui s'est barrée, en fait. Avec le... Alors, peut-être que j'ai pas assez laissé sécher. Pourtant, 5 minutes, c'est largement suffisant pour laisser sécher un mascara. Donc, bah là, je suis sceptique, hein. Vraiment, j'ai l'impression que ça m'a vraiment enlevé de la longueur. Du coup, ah putain, j'avais pas vu, mais en fait, j'ai mes ongles qui sont assortis à mon make-up. J'avais même pas remarqué, mais c'est tout kaki. C'est tout kaki aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est terminé. Et puis, bah du coup, je vous retrouve dans quelques secondes pour l'update après le travail. Et encore après pour l'update après le sport, après la douche, tout ça. Qu'on se retrouve tout à l'heure. Bon, je viens d'arriver à la salle. Je suis désolée, le son il va être dégueulasse. Et bon, j'ai pas trop le choix de la lumière d'ailleurs. Je viens d'arriver, donc j'ai fait ma semaine n'importe quoi. J'ai fait ma journée de travail et donc ça s'est bien passé et voilà, j'ai couru partout comme j'avais prédit. Et je sais pas si vous allez trop voir le fond de teint, en fait ici il est resté, ici c'est nickel, tout là c'est nickel, mais en fait il s'est totalement déplacé. J'ai plus rien sur le nez là, il s'est totalement déplacé sur le nez et là il a brillé. Et en fait je pense vraiment qu'il faut pas le poudrer trop, en fait, ce fond de teint. Et donc là, j'ai plus rien du tout à ce niveau là. Donc je pense en fait que j'ai mis trop de poudre et du coup, quand j'ai voulu éponger avec mon mouchoir, et bah le fond de teint est parti avec. Donc voilà, je pense que je l'ai déjà essayé et je pense que le fond de teint il faut pas trop le poudrer, tout simplement. Donc voilà, donc le fond de teint c'est une cata, hein, ne regardez pas, j'ai une tête horrible. Au niveau des sourcils, franchement c'est resté, hein. Je vois pas de trous. Non, il n'y a pas de trou, tout est resté nickel, mes poils ils sont bien plaqués, donc nickel. Quand je fais ça, il n'y a absolument rien sur mes doigts, donc nickel. Et là au niveau de mes paupières, c'est très bien resté franchement, là mieux qu'ici, parce que là j'en ai mis plus en fait de la base, je pense qu'il ne faut pas en mettre trop. Voilà, et ça a crisé un tout petit peu ici comme vous pouvez le voir, mais il n'y a rien de grave parce qu'avec ma base normale ça me fait ça aussi. Donc voilà, et si je fais ça... Ça m'enlève des paillettes. Voilà, enfin après je pense que c'est fait pas trop exprès pour frotter. Mais voilà, si je fais ça, ça en enlève. Donc je vais pas le faire. Donc voilà, là je vais faire ma séance de sport. Et puis on va voir si ça coule ou pas, surtout pour les yeux. Là j'ai pleuré parce que c'était waterproof, du coup je suis hyper sensible. Donc j'ai pleuré, donc là j'ai plus de crayon. Mais bon, c'est pas ça qu'on teste aujourd'hui. Alors que là, il est toujours nickel. Donc voilà. Je vous retrouve après ma séance de sport. C'est bon, vous voyez bien, vous voyez bien ou pas que, oh my god, vous voyez bien que je transpire ma race là, que je souffre, oh putain. Et ouais, c'est comme ça qu'on fait du sport les gars. Bon, et bah ça coule partout comme vous pouvez le voir, ça a coulé dans mon sourcil. Est-ce que c'est un trou ça? Non, il n'y a rien sur mon doigt. J'ai pas l'impression que ça a enlevé. Ah par contre, quand on frotte, ça enlève. Mais quand on fait ça, ça enlève rien du tout. Et ça, c'est cool. Donc, waouh. Là, je viens de transpirer comme pas possible. Et franchement, ça va. À part le teint. Sinon, c'est toujours un flic. Hein. Là, j'ai plein de sueur dans mes sourcils. Je fais ça. Y'a rien, y'a rien du tout et j'ai toujours pas de trou pour l'instant. Mes sourcils sont toujours nickel. Voilà, j'ai de la... Vous voyez, y'a la sueur. Mais c'est dégueulasse cette vidéo. Y'a la sueur mais y'a pas de produit dessus. Et au niveau du mascara, y'a rien qui coule, y'a rien qui part. Voilà, y'a rien du tout. Je peux faire ça. Frotter. Mais y'a rien. Voilà. Petit topo, j'ai toujours pas fini mon sport, hein. Ça fait que 20 minutes que j'y suis, j'ai encore une heure à faire, mais je vous reprendrai une fois que j'aurai fini mon sport. Mais voilà l'état pour l'instant au bout de 20 minutes de sport, c'est pas de la highlight, hein. Juste pour vous dire.
Ça donne quoi? Est-ce que le maquillage des yeux est toujours là? Oui, oui. Oui? Oui. Ah, je suis toute blanche du coup. C'est toujours là, non? Mm-hmm. Peut-être pas le fond de teint, mais les sourcils et tout, c'est toujours là. On va essayer de frotter. T'en fous partout là. Ah ouais? Ça y est, c'est parti? Non, t'en fous partout de l'eau! Ah! J'ai du mal à voir s'il reste du kaki. Oui. Y'a rien sur mes mains en tout cas. Oui, je t'ai dit. Même mes sourcils ils sont encore là. C'est parti là, non? Non. C'est toujours là? Oui. Allez, mon mascara qui part un peu. Mon mascara qui part un peu, mais sinon... Donc là, je viens de tester une serviette blanche sur mon visage, in my face. Et il n'y a pas de maquillage dessus, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai plus de maquillage. Je sais pas trop, je vois pas trop. Il m'en reste encore là. Et quand je fais ça... Genre j'appuie bien et j'ai rien sur la serviette et j'ai encore l'impression d'être maquillée, mais il me reste du mascara et tout. Bon, du coup, résultat final de cette vidéo, bah je sais pas trop quoi dire en fait. Je trouve que ça a quand même, franchement, je trouve que par rapport à des bases de base en fait, par rapport à des bases non waterproof, non hydrofuge, je trouve que ça a plutôt bien tenu, franchement. Là, du coup, j'ai frotté à fond, à fond, à fond. C'est pas fait exprès, c'est pas fait pour vous frotter les yeux, en fait. C'est fait pour que, quand vous mettiez de l'eau par-dessus, votre maquillage, il est toujours là. Mais si vous frottez, évidemment, bah, vous démaquillez, quoi. Mais j'ai voulu tester de fond en comble pour vraiment voir si ça tenait ou pas. Donc, je vais faire un récap de tous les produits. Pour les sourcils, par contre, j'ai frotté à fond. Les poils de sourcils, en fait, ils sont collés, enfin, ils sont comme collés, en fait. Ils sont bien plaqués, ils sont bien mis. Et vous avez beau frotter, 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 les poils ne bougent pas, les poils sont toujours dans le même sens, ils peuvent pas, ils s'enlèvent pas en fait, genre vraiment, ils sont hyper bien plaqués. Pour ce qui est de la poudre qu'on a mis par-dessus du coup, du fard à paupières que j'ai mis par-dessus, ça a super bien tenu au sport, ça a super bien tenu au travail, ça a super bien tenu sous l'eau, franchement ça a super bien tenu sous l'eau, mais voilà, bah, quand on frotte, évidemment ça enlève, et encore, franchement, il m'en reste pas mal, il m'en reste vraiment pas mal. Franchement, la base à sourcils, je trouve ça ouf. Je vais m'en resservir, mais encore plein de fois à la plage, tout ça. Parce que je me frotte pas les sourcils à la plage, en fait. Enfin, je me frotte jamais les sourcils. Peu importe. Donc, dans tous les cas, elle me resservira toujours. Donc, la base à sourcils, c'est 100% validé. Ensuite, pour ce qui est de la base à paupières, franchement, ça a super bien tenu. Elle m'a bien aidé à estomper les fards. Au sport, elle a super bien tenu. Au travail, elle a super bien tenu. Et franchement, sous l'eau, je trouve que du coup, sachant que c'est des fards, en fait, il faut bien que vous vous disiez que c'est des fards, donc c'est quelque chose de poudreux. Quand vous mélangez de la poudre à de l'eau, bah évidemment, la poudre part, en fait. Et là, je trouve que franchement, ça a mis beaucoup de temps à s'enlever. C'est quand j'ai vraiment frotté que ça s'est enlevé. Donc je trouve que vraiment, la base, bah, elle sert vraiment à quelque chose. Et par rapport à une base tout à fait normale, je trouve vraiment qu'elle est efficace, en fait. Donc évidemment, si vous frottez, et encore j'ai frotté, il m'en reste quand même pas mal au-dessus. On voit encore bien la trace de ce que j'avais fait. On voit que j'avais fait une espèce de liner là, enfin une pointe. Alors que j'ai frotté, hein, les gars, c'est ce que je fais pour me démaquiller. Pour ce qui est maintenant du top coat mascara. Franchement, je trouve que dépenser de l'argent pour un top coat mascara, alors que vous pouvez acheter un mascara waterproof directement. Parce que du coup vous achetez un top coat et vous achetez aussi un mascara, donc ça fait double dépense. Alors que le mascara waterproof ça compte, enfin ça marche très bien. J'ai plein de, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez des liens de mascara waterproof super, qui marche super bien. Je valide les deux premiers produits, mais le dernier produit je ne valide pas, c'est un fail. Donc voilà, bah au final moi je sors du sport, j'ai toujours pas pris ma douche, je me suis juste tartinée d'eau la tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo là. Et j'espère que du coup je vous aurai aidé par rapport à vos choix de cet été de tout ce qui est waterproof. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous retrouve une prochaine. Mouah.